Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 20e épisode du 100 Baby Challenge. Je rappelle, le 100 Baby Challenge, comme d'habitude, le mercredi, vendredi à 17h30. Voilà. Et comme vous le constaterez dans l'intro, rien d'intéressant. L'un des deux bambins est complètement fatigué. L'autre, il est obligé d'aller au popo tout seul, comme un grand. Bon, c'est pas plus mal. Et vous voyez, c'est pas la grande joie. En plus, le grand frère est parti. Bon, au moins ça nous permettra de faire peut-être des triplés avec la maman. Quoique s'il serait pas parti, on aurait pu faire des triplés quand même. 2, 3, 4. Ouais. Si je sais bien compter finalement, on aurait pu le garder encore un peu. Mais bon, maintenant c'est fait, c'est fait. Elle est en train de danser. Non, tu ne vas pas danser. D'ailleurs, on va éteindre ça. Et on va lui demander. Attendez. Ouf. Ouf. Mais non, t'as pas été aux toilettes ! Il était sur le pot. Mais pourquoi? Utiliser une couche. Ok, le gamin va s'auto-coucher. Il va se mettre automatiquement des couches tout seul. Non mais lol, c'est n'importe quoi dans cette maison. Et elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va écrire un livre. Parce qu'on gagne clairement pas assez d'argent avec les compositions. Sachant qu'on peut mettre qu'une seule composition par semaine. Et c'est ça en fait le problème. Alors qu'en étant écrivain... on peut mettre des livres dans la boîte aux lettres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès qu'on finit de l'écrire, on peut le mettre directement, on peut l'envoyer à l'éditeur. Et du coup, ben, ça me réconforte dans l'idée que c'était pas forcément une bonne solution de partir sur du piano. Voilà, peut-être ça aurait été bien de partir plus tard comme délire, mais clairement c'est un challenge et il faut penser que c'est un challenge. Et voilà, certes, j'ai essayé de partir sur autre chose pour éviter de faire toujours la même chose et finalement je me suis un petit peu plantée. Donc c'est pas grave, on va essayer de rattraper le coup. C'est pas grave, au moins ça fera un truc un peu différent. Un challenge pas parfait, hein, qui est clairement, mais clairement pas parfait du tout, même. Bon, qui est en train de faire dans sa couche. Alors le bébé, il a essayé quand même d'aller au pot tout seul. Et finalement, on se retrouve à être immobile devant son pot et à se littéralement chier dessus. Voilà. Là, il est en train... Ouh, qu'est-ce que c'est chaud dans ma couche. J'en veux plus, aidez-moi. Voilà, et il est pas content. L'hygiène, bien sûr, s'en prend un coup. Allez, va dormir. Oh, il m'a cassé mon truc. Non, mais ça va pas. Et qu'il vient, il me casse mes trucs, quoi. Lui, il a envie de manger quand même et de dormir. On va lui sortir un truc à manger. Allez, pas le temps. Tu vas manger et ensuite, il ira dormir. Y a pas le time. Ça, ensuite on range. Elle écrit, elle dort, mais elle a même pas envie de dormir, mais réveille-toi, va prendre une douche, elle a besoin d'un peu de social. Après éventuellement, s'il est encore là, présentation amicale. Mais je sais, vous l'aviez dit qu'elle avait des ailes sous la douche. Le problème avec certains CC, c'est voilà ce que ça fait. C'est voilà, je ne sais pas pourquoi, mais certains CC ont tendance à s'activer dans la douche. Je comprends pas. Ouais, est-ce qu'ils peuvent parler un petit moment, le temps que son social augmente, ce serait cool. Faire connaissance, se vanter de sa plus grosse prise, illuminer la journée. Amoureux des chiens, d'accord. Parce qu'en plus, je crois que... Je sais, il faut vraiment... Vous m'aviez dit que je peux regarder dans l'arbre généalogique des bébés pour savoir qui est leur père. Et il me semble que l'arbre généalogique, on peut le voir sans aller dans le Create Sim. Voilà, afficher la généalogie. Donc merci pour cette info. Ah non, on a déjà un bébé avec... Vous voyez? Heureusement qu'on a ça, parce que moi, je le saurais même pas. Alors elle a eu ces deux bébés-là. Alors, je ne comprends pas. Pierre Sanchez et Julien Sanchez. Je comprends pas. On a eu les deux premiers avec Brandt, il n'y a pas de souci. On a eu Julien avec Brent. Et Pierre Sanchez et Julien Sanchez, on les a eus avec qui? Pourquoi il n'y a personne?
Pourquoi il n'y a personne? Je comprends pas. Parce qu'on... Attendez. On va essayer de montrer... Ah voilà, j'ai cliqué dessus. Bah c'est avec le vampire. C'est avec le vampire. Ok, donc le vampire, Brent et Brant. Ok, pour eux c'est bon. Faut que j'essaye de retenir, ça va plus. Hein. Et vous imaginez qu'on est, on a validé qu'un seul bébé. De toute façon, normalement, je vais essayer de mettre au montage. Je sais pas si je l'aurais fait, mais j'espère que j'aurais pas oublié de mettre le petit compteur pour avoir un bébé validé. Parce que je mets le compteur à partir du moment où le bébé est validé. Faut savoir que le challenge fonctionne uniquement si le bébé est devenu adulte et a quitté le foyer. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé avec Angelo qui est parti. Angela est encore là, mais on peut déjà le valider. Et du coup, par Angela, quand elle partira, on validera le deuxième bébé et ainsi de suite. Parce qu'il faut savoir que si un bébé est pris par une assistante sociale ou malheureusement décède, quoique je pense qu'avant d'être adulte, ils peuvent pas décéder les bébés, les enfants non plus, les ados non plus. Mais ils sont pris, s'ils sont pris par l'assistante sociale, le bébé n'est pas validé s'il n'est pas devenu adulte. Voilà. Ok. Bon, elle est en train de manger. Ensuite, je pense qu'on va l'envoyer faire le tour du patelin. Il faut bien qu'elle serve à quelque chose. Je ne l'ai pas gardée pour rien. Hein, donc, elle ira faire le tour. Et en ce moment, la pêche ne rapporte pas gros. Du coup, la dernière fois, j'avais mis un chevalet dans le couloir. Quoique, d'ailleurs, bah tiens, on va plutôt lui demander de peindre, finalement. Hein? Ouais. On revient aux bonnes vieilles valeurs, c'est-à-dire la peinture, l'écriture... Et voilà, bon malheureusement c'est un peu plus voilà linéaire puisque c'est le genre de choses que tout le monde fait que voilà je voulais présenter le piano mais là non le piano tu remportes pas assez d'argent. À la limite peut-être plus avec la guitare parce qu'on peut gagner des pourboires mais avec le piano bah c'est pas trop possible de gagner des pourboires hein, puisque voilà vous imaginez la meuf elle sort le piano de chez elle et tout ça elle l'emporte au milieu du parc pour jouer contre du pourboire ça serait un petit peu chelou. À la limite un synthétiseur. Je peux comprendre que tu le déplaces, mais là, un piano, c'est compliqué. On va faire de la peinture. Bon, on va accélérer le time. On va accélérer le time. Voilà, elle a fini. On va auto-publier le ballet. Et on va lui demander de manger. Ok, elle a pas fini de manger. C'est pas grave. Hop, et on va lui demander de prendre des restes. Il va falloir qu'on la fasse tomber enceinte en espérant avoir des triplés. Bon, cette fois-ci, on va... Bon, j'ai pas eu de chance parce que les deux derniers bébés, on n'a pas eu de triplés, rien, alors que pourtant, le dernier bébé, on l'a fait à la maison. C'est ça, en fait. Je comprends pas. On l'a fait à la maison. Et voilà. Par contre, lui, il est déjà père de l'un des enfants. Lequel, je ne sais pas. Je ne sais plus. lui est déjà papa aussi, c'est pas Marcus Flex, hein, c'est Brent, ouais. Il va falloir qu'on aille chasser du bonhomme. C'est très bizarre dit comme ça, mais effectivement, faut qu'on aille chasser du bonhomme. Attendez, parce que là, elle est statique. Et ça, par contre, Marcus Flex, il est pas père. Hein. Il est pas père. Ce serait dommage que je foire le challenge pour ça. Alors, ça c'est Brent, ouais. Parce qu'on a eu 4 bébés en tout, hein. Lui, c'était avec Brent. On est d'accord. Ça monte les deux ensemble, Brent, ouais. Lui, c'est avec le vampire. Il y a eu les... Ok, il y a eu les 3 pères, mais Marcus Flex, on n'a pas fait de bébé avec lui. Hein, Marcus ? Tu veux pas venir à la maison? Ouais, ça, quoique, on va peut-être attendre quand même que Brent se casse, hein, puisque c'est très mal poli, sinon... un minimum, quand même, hein. Déjà que ce challenge-là, éthiquement, n'est pas très correct. Si, en plus, on invite un autre bonhomme pendant qu'il y a un papa à la maison, c'est moyen, c'est pas terrible. En plus, bientôt, elle va devenir adulte. Alors accélérer quand même la cadence histoire d'avoir quand même validé pas mal de bébés. Je rappelle, il y a beaucoup de gens qui disent oui mais ton challenge c'est pas possible parce que la maman bientôt elle va arriver à un âge où elle pourra plus faire de bébés quoi et elle aura pas fait les 100 bébés. Alors si c'est possible parce que dans le challenge ce qui se passe c'est que les mamans dès qu'elles ne peuvent plus avoir de bébés je sais plus, la fille la plus vieille ou la plus... Non, il me semble que c'est la fille la plus jeune qui est encore dans la famille.
reprend le flambeau, enfin c'est dégueulasse de dire ça comme ça, mais c'est ça, elle reprend la place de la maman et continue à faire des bébés jusqu'au qu'on arrive au 100 bébés. Voilà, si avec la deuxième matriarche on n'arrive pas, c'est la troisième qui reprend le flambeau et ainsi de suite. Le but étant, bien sûr, le but du challenge est de le finir le plus rapidement possible en termes de temps, de jours, de jeu sur le game, quoi. Voilà. Je sais pas si quelqu'un a déjà réussi ce challenge avec une seule maman. Je pense que ça... ça peut être... Je sais pas si c'est possible, parce que le temps que les bébés grandissent et tout, je sais pas. Je sais pas si quelqu'un l'a déjà fait, mais... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Bon, toi, tu peux... écrire un livre du genre... Une nouvelle. Les bébés, ils dorment. Ah, il y en a un qui commence à avoir très très faim par contre. On va le réveiller tout de suite. Et là, il en reste un. Bah écoutez, on va sortir ça comme ça, il va pouvoir le finir. Oui, 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 mais pas manger. Oh, lui, c'est encore pire! C'est encore pire, mais en même temps, pourquoi ils se réveillent pas quand ils ont faim? Je comprends pas. Réveillez-vous quand vous avez faim. Rapport des droits d'auteur, morceaux, Jason et les livres. Ok, bon, on n'a pas non plus énormément de... d'argent. Bon, 110, on n'a pas gagné énormément non plus. Ah, elle est inspirée. Magnifique. Les enfants sont en train de manger. Je veux pas t'occuper des bébés. Tu peux pas prendre... faire prendre un bain à quelqu'un. Oh là là. Bon, je rappelle aussi que les papas, ils peuvent aider tant qu'on les invite pas à rester à la maison. Enfin, c'est-à-dire, on les invite pas dans le foyer. Vous voyez ce que je veux dire? À emménager, etc. Ils peuvent venir quand ils veulent, ils peuvent aider. De toute façon, moi, je les gère pas. Donc, de toute manière, qu'ils les aident ou pas, je décide pas. Voilà. Et ensuite, tu feras prendre un bain. Donner un bain. Voilà. Quand tu auras fini ton livre. Se demande si je veux venir chez lui. Non, s'il veut, il vient à la maison. Il n'y a pas de souci, mais il devrait savoir que c'est un peu le bordel avec les bébés de se déplacer. Non, ne lave pas. Laisse. Merci. Voilà, parfait. Va aux toilettes. Voyons. Il reprend la toile. Voilà. Les bébés, franchement, moi, je m'amuse pas à faire leur aptitude. Hein. Trop chiant, trop long, perte de temps. Je préfère qu'ils grandissent tout seuls avec les jours. En plus, ils grandissent rapidement. Hein, 3-4 jours, ils grandissent. Et ensuite, les faire grandir, faire les changements d'âge quand ils ont les A à l'école, comme ce qui est marqué dans le challenge. Donc dès qu'ils ont un A à l'école, les faire grandir. Mais là, en tant que bambin, franchement, c'est pas... J'ai pas à leur changer d'âge. Hein. Avec les aptitudes, c'est mort. Alors, attends. Vendre un collectionneur. Ah, nice. On a gagné 148 simflouz. Elle va lui faire prendre un bain. Voilà. Nice. Ensuite, tira auto-publié. Attendez. Parce que vendre un éditeur, ça rapporte plus d'argent. L'argent. On a besoin d'argent en ce moment. Bon, par contre, le papa, je veux bien, mais ça fait 2 jours qu'il est là. S'il pourrait... éventuellement partir pour qu'on puisse faire tomber enceinte la maman, ce serait génial. Ou au pire, tu peux laver le sol ici dans la chambre. Ce serait une bonne idée également. Non? Ok, non. Hé, vendre un peu. Oh non, non, ne dis pas que t'es malade. Non, non, non. Bah, c'est pas grave. Prendre des médicaments. Ok, toi tu les prends à travers le mur, hein, parce que regardez, mine de rien, il y a un mur. Hein. Je veux bien, mais là, c'est bon.
Attends, parle avec elle. Décrire la nouvelle idée. Parler des rêves. Enlacer. Ah oui, c'est sa maman, hein. Partager un secret. Conversation profonde. Histoire d'augmenter un petit peu tout ça. Ah, bah je voulais qu'elle fasse une grande toile, mais finalement elle va en faire une petite. Ah, Angelo! Hé, réveille-toi! Va lui demander d'entrer quand même! Inviter à entrer, mais bien sûr! Salut Angelo! Donc pour ceux qui viennent en cours de route du let's play, Angelo est le jumeau de Angela qui est juste là. Voilà, ils sont jumeaux-jumelles et du coup, bah, lui, il est parti du foyer à l'épisode dernier. Petit rappel. Et on va l'envoyer dormir, tiens. Va dormir, t'es fatigué. Là, les bébés, comment que ça se passe? Ils commencent à avoir faim, donc on va... Il reste combien ici? Il en reste 3. Voilà, va prendre... Oh non, il casse tout. Non, mais t'es sérieux? Non, mais il est sérieux? Tiens, réveille-le. Va lui faire prendre un bain, donner un bain de mousse. Oui. Ensuite, vend un collectionneur. Encore collectionneur? Mais elle a une âme d'artiste, elle a quoi, elle, déjà? C'est quoi son délire? C'est où qu'on voit, déjà? Aime la musique, créative. Ok, elle est créative. Mais quand même. Je veux dire, elle fait des trucs de collectionneur. Tableau après tableau, quoi. Tiens, ça, on remet au frigo, parce que le bambin n'a pas faim. Et si tu pourras... Oh. Ah, je viens de voir un truc, là. Bon, ce sera pas pour ce let's play, là, mais je viens de voir un truc. Servir le dîner, peut-être pas des haricots aussi, sinon ils vont péter toute la journée. Mais des macaronis au fromage, pourquoi pas, pour tout le monde. Les bébés, lui, il vénère, il va aller se coucher. C'est pas plus mal. Et bah, toi aussi, hein, faudrait peut-être que t'ailles dormir. Hein. Allez dormir. Voilà. Mais pourquoi tu viens manger ici? Je comprends pas. Il y a une cuisine pour ça. C'est en train de dormir. Elle vient. Elle raconte sa vie au bébé qui dort. Ok. Je pense que Lily, je sais pas. Où est-ce que t'as mis ton... Toi, t'as posé ton assiette? J'ai pas vu, elle a posé son assiette, attendez. Attends, parce que toi, réveille-toi. T'as pas le time. Prends des restes. Voilà. Elle a lavé? J'ai pas fait gaffe. Bon, tant pis. Non. 738$ pour réparer la télé. Mais si on appelle un dépanneur, ça coûte pas moins cher? Un réparateur. Je pense que ça coûte moins cher. Allez, va prendre des restes. Va prendre des restes, troisième fois. Mais casse-toi de devant le frigo, Brent! Putain, il est en train de... Je sais pas, tu veux pas t'asseoir pour manger? Non, mais ça, c'est chiant. C'est bon, là, il est parti. Tu vas pouvoir prendre des restes. Oh, merci bien, Brent. Hein. Et... Non, mais lol. Et ensuite, on va écrire un livre. Écrire un livre du genre poésie, pourquoi pas, allez. Soyons ouf. Est-ce qu'on peut déposer une composition? Toujours pas. Et le pire, c'est qu'en plus de pouvoir déposer une composition qu'une fois par semaine, la composition ne rapporte pas... Enfin, elle rapporte autant qu'un livre. Alors que livre, tu peux déposer combien que tu veux. C'est ça qui me dérange, c'est que ça me dérangerait pas à la limite qu'on puisse déposer une seule composition par semaine, mais au moins qu'elle rapporterait plus d'argent, en fait.
ce serait logique, quoi, que ça rapporterait plus d'argent. Par rapport à la limite. Ou bien enlever la limite. Déjà que j'ai l'impression que écrire un livre, c'est plus rapide que de faire une composition. Donc si en plus ça rapporte moins d'argent, enfin, je vois plus l'intérêt, quoi. Bon, pour l'instant, on réparera pas la télé. Mais je rêve, c'est la troisième journée qui reste ici. Non mais mec, faut que tu te barres au bout d'un moment. Depuis le début de l'épisode, il est chez nous. Et il aide même pas, en fait. Il aide même pas. C'est ça, il est là, mais il aide pas. No comment. Ah, réveille-toi. Toi, t'as un petit peu la dalle, toi. Toi, va falloir que t'ailles prendre des restes. Hein. Tout de suite. Pourquoi ils se réveillent jamais, les bambins, quand ils ont la dalle? Ça aussi, je percute pas. Je ne percute pas. Ça va faire une grande toile pop art. Vendre un éditeur apportera des droits d'auteur modérés de façon quotidienne, modeste. Modéré, hop. Je pense modéré, c'est mieux que modeste, non? Rapporter un peu plus d'argent. Bon, ça, franchement, pour 70, il me faut. On fait ça. Vendre à un collectionneur. Non mais... Non mais la meuf, elle abuse. Tiens, fais une toile confiante. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, toi, tu veux du divertissement, va jouer sur l'ordinateur, ça sera plus rapide pour augmenter le divertissement. Non, par contre, je vais vraiment finir par lui dire de dégager, ça va plus. On peut lui dire de partir, just go away. Non, mais ça, c'est un mode, donc je vais éviter. Je veux pas que ce soit considéré comme de la triche ou quoi. Mais normalement, on peut lui demander de partir gentiment, non? On peut lui demander de partir parce que là je me demande si c'est pas un bug au bout d'un moment. Enfin, je sais pas. Pars quoi, pars. Le papa envahissant quoi. Et il aide même pas. J'ai pleuré. Mais il aide même pas. Je rêve ou il s'est cassé? Dites-moi, je rêve, il s'est réellement cassé. J'ai pas fait gaffe, mais je crois que... Ah oui, il est parti! Merci. Oh, merci. La fille qui est en train de le scruter jusqu'au bout de la rue pour voir s'il est réellement... En plus, le pire, c'est que le mec, il part, mais il est triste, regardez! Regardez! Là, en mode... Ma vie, c'est de la merde. Je suis tellement contente en vrai qu'il soit parti, je suis là en mode enfin il est parti quoi, non mais merci quoi, merci il est parti. Ah, j'en pouvais plus. Ok, là va falloir un petit peu remettre ça en état, hop ça, hop dans l'étagère. Elle est encore malade, mais elle vient de prendre des médicaments la veille. Elle a pris des médicaments la veille. On va reprendre un médicament. Vendre à un collectionneur. Pourquoi ça ne m'étonne pas, encore une fois. Elle est mal à l'aise, pourquoi? Tiens, va essuyer frénétiquement ça, elle est énergisée. Une grande toile abstraite. Toi, tu arrêtes de jouer. On va inviter le frérot, parce qu'il est encore devant la porte. Invité à entrer. Hein, bien évidemment. Non, t'as cassé le PC là, c'est pas plus. Non, on va appeler un réparateur. On va appeler un réparateur, ça ne va plus. Ça va me coûter trop cher sinon. On retient bien que réparer le PC, c'est une mauvaise idée parce que
on peut mourir d'électrocution, donc je vais éviter. Mais 720 Simflouz plus 738, bah ça fait plus de 1400, ça fait 1458, je crois, Simflouz. On va appeler un réparateur. C'est là-dedans, il me semble, non? Payer facture! Ah mince! Non, pas prendre le courrier. Payer les factures. En plus, il y a les factures qui tombent en même temps. Il y a tout qui tombe en même temps. Acheter un service ensuite. Un réparateur, s'il vous plaît. Service 100 Simflouz puis 10 de l'heure. Mais de toute façon, ça coûtera quand même moins cher que de réparer en rachetant l'objet, quoi. Et bah tiens, change. Pas change la couche. Autant lui donner directement un bain, j'ai remarqué. Parce que ça lui changera la couche et puis en même temps ça lui augmentera l'hygiène. Et il sera content. Voilà. Tout le monde sera content. Il sera content, je serai contente, ils seront contents. Et puis le réparateur, il arrive. Bonjour, oui. Oui, bien sûr, vous pouvez rentrer. Bonjour, il s'appelle comment? Kengo? Kengo Yoshida. Bonjour, monsieur Yoshida! Heureusement que vous êtes là. Vendre un collectionneur. Non mais c'est une blague. C'est quoi ça? Quand la musique est terminée. Ah elle peut pas. Mais pourquoi? Quand il n'y a plus de musique, quand j'ai vraiment besoin d'entendre d'autres mélodies. Bah va écouter de la musique. Écoutez intensément. Voilà. Et va faire une toile. Encore, oui. Il est temps pour moi de m'en aller, cela fera 111 Simflouz. Donc voilà, c'est une bonne chose à voir, c'est le réparateur quand il vient, bah 111 Simflouz pour deux objets qui en temps normal m'auraient coûté 1400 Simflouz. Ça a été rentable, ça évite la catastrophe parce que à la limite, les choses comme les douches, les leviers, etc. quand ils sont pétés, les toilettes, on peut les réparer soi-même parce qu'il n'y a pas risque d'électrocution. Il n'y a aucun de mes Sims qui est jamais mort. Après, c'est peut-être... Il y a moyen de se faire inonder et de se noyer, je ne sais pas. Non, c'est pas possible, je crois pas. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de possibilité de mourir. Il n'y a pas de risque à vouloir réparer soi-même tout ce qui est la plomberie. Mais tout ce qui est électronique, là, non. Et voilà, comme ça, le frère, il vient, il s'amuse. Par contre, je crois qu'il avait faim. Non, c'est pas lui qui avait faim, c'est lequel qui avait faim. Va dormir. C'était lui qui avait faim. On va sortir la bouffe. On va essayer de prendre la bouffe, voilà, c'est bien. Ensuite, on va sortir ça, on va demander d'aller prendre une portion. Elle est en train de peindre, elle va manger, voilà, on va la laisser faire. Ok. Toi, quand tu auras fini, tu serviras le déjeuner, tacos au tofu. Une fois que tu as fini de manger, tu vas aller écrire un livre. Écrire un livre du genre bah, poésie, encore une fois, tiens. Voilà. Pour pas changer, quand toi tu auras... Bah lui, il est content parce qu'il a joué avec son grand frère. Il est tout content. On va le laisser, voilà, je sais pas ce qu'il fait. Il mange. Ok. Ça lui augmente son divertissement de manger, pourquoi pas, également. Ah, je suis contente. On va finir l'épisode sur des bonnes bases. Pour une fois, tout le monde est à peu près content. Lui, il est en train de dormir. Lui, il est content. Elle est confiante. Bon, elle a envie de dodo, donc elle ira dormir après avoir fini son livre seulement. Ah, c'est bientôt l'anniversaire d'Angel. Effectivement, elle restait pas longtemps, moi, qu'elle passe adulte. Elle est jeune adulte, donc ça va, elle sera pas encore vieille. Seulement, si je veux le rejoindre quelque part, non, il peut venir. Je rappelle que je ne sors pas, parce que le but du challenge, c'est quand même d'avancer dans le game. Mais laisser des bébés, etc., tout seul à la maison, non, non, c'est bon, on va éviter. Fait que Angela, maintenant, elle est quand même adulte et elle peut s'en occuper, mais bon, on perdrait du temps pour rien, finalement. Et, bah, écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cet épisode. Je trouve que l'épisode, il était... Ça va, on a gagné un peu d'argent. Bon, certes, on a perdu derrière parce qu'on a quand même payé 1000 Simflouz de facture. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce petit bestiole là? Démangeaison. Ah, je pense qu'elle est malade. On va juste lui demander avant d'aller dodo, prendre des médicaments parce que sinon il y a tout le monde qui va tomber malade. Je crois que les bébés, les enfants et les ados, ils tombent jamais malades. Quoique les ados, j'ai un doute, mais il me semble que les enfants et les bambins, voire même les ados, ne tombent jamais malades. Dites-moi en commentaire si vous le pensez aussi.
Eh bien, écoutez, bah merci d'avoir regardé cet épisode. Et comme d'habitude, je vous dis à mercredi, à vendredi pour un prochain épisode du 100 Baby Challenge. Je vous fais de très gros bisous. Ciao, ciao.